Et salut les gus, c'est Olorin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre campagne avec le Gondor sur First Age. Voilà, donc on va continuer. Donc ça a commencé un peu à chier pour nous là. On s'est fait reprendre Osgiliath Est. Il y a des armées qui se ramènent depuis Kerandros, qui apparemment appartient au Mordor désormais. Donc voilà, faudrait qu'on se rassemble un peu des troupes à Minas Tirith et Osgiliath. Parce que là, ça va barder pour nous. Ouais, déjà que j'ai perdu Faramir en plus. Il est décédé, le bougre. À moins qu'il revienne plus tard, je sais pas, à moins qu'il est juste blessé ou je sais pas quoi. Ouais, parce que regardez. Bon, lui, on va le mettre directement là. Plus vite, voilà. Avec plein de troupes. Ça, on a toujours Boromir. Tous ici. Ouais, parce que ça, c'est juste mes deux cités qui me protègent, voilà quoi, du Mordor. Hein. S'ils ont Kalandros, ils peuvent venir comme ils veulent de par ici. Ils ont Osgiliath Est, donc. C'est un peu con pour moi, quoi, pour l'instant. Allez les gars. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez des petits gus comme ça là. Des marins. Ouais. J'ai une petite flotte là, mais pour l'instant il n'y a rien quoi, il y a juste un navire. On peut l'utiliser tout de suite. Je peux pas faire un archer quelque part. Et bah, voilà, on va construire des trucs. Les étables là. Voilà, ah bon, ça coûte cher, mais on va les faire quand même ces mines là. Ça peut, ouais, ça va me rapporter 350 d'or de plus à chaque tour, c'est pas négligeable. Là, je voudrais bien faire les tours à baliste après, ça coûte cher. Des étapes parce que ce serait bien de pouvoir recruter des troupes à Osgiliath. Et ici. Et deux, ça coûte pas cher, on va les faire. Là, ça sera plus tard. Je crois qu'on a fait le tour. Juste ici, oui, on arrivait là, pour assiéger. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Et on passe le tour. De toute façon, ça va là. Quand on regarde la petite carte là, on voit que le Rohan il possède toutes les régions qui sont juste au nord de nous, donc il nous protège assez bien de l'Isengard, on va dire. Si jamais il y a l'Isengard qui veut se pointer, allez, bon, j'ai assez de généraux pour l'instant. Alors, toi, assaut. Ça devrait être bon pour nous, bon on le fait automatiquement. Oh là là, la belle défaite. Tant pis, c'est pas grave. On va le refaire bien cette fois. Bon, on a que dalle comme Gugus en plus. Alors. Ah, il y a du monde à recruter. Allons donc. Allez, va te réparer toi. Je voudrais voir un truc là au niveau de. Du défilement, je sais pas si s'il y a. C'est quoi ça? C'est peut-être pas là qu'on voit. Ouais, non, bon, tant pis. Parce que je trouve ça un peu lent là quand même des fois. Bon, alors là, on en est où? On a du monde. Et eux aussi là. C'est bon, on commence à avoir une bonne petite armée là. Parce que regardez. Regardez-les là. Il y a eux qui se ramènent. On veut pas recruter des. Si. Bof. Là j'ai quoi comme troupe? Oh, stop. Je vais avoir deux cavaliers. J'ai quatre comme ça. J'ai un archer qui se ramène. Non. Pas d'archer ça. Ouais, si, y a un archer là, tiens.
Voilà. Et on va passer le tour. Juste là après on va voir au niveau construction où on en est. Ah putain, mais c'est qu'il en vient hein, des gorpifs là, des orques. Oh! D'où ils viennent eux là? Oh les salauds! Oh putain, je vais recruter un peu des généraux là parce que. Et d'où ils se ramènent tous? Putain, je vais me faire éclater dès le début. C'est que bon, pas bien facile le Gondor. On a le Mordor juste en face et le Harad tout au sud là. Et bon, quand ils ont une bonne flotte dès le début, ils peuvent se ramener avec pas mal de monde. Allez, on va recruter du monde un peu partout. Là, c'est trop tard pour eux. Ils ont quoi, eux, là, en face? Bon, ils ont un peu de la merde, mais ils ont quand même des archers. Enfin, j'ai pas assez de. C'est pas suffisant ce que j'ai. Je peux même pas rentrer là-dedans là. Oh là là. Et ils me font chier l'avenir juste en face. Pourquoi je peux pas faire une sortie pour les attaquer? Non mais non mais. Ah, il aurait fallu que je la fasse automatique, enfin, que je la fasse moi-même. Là, on a quoi? Ils ont quoi en face? Parce que là, si je les attaque, ça va bien chier quand même. Là, ça va pas être des petites batailles de merde. J'ai quoi là dans le reste? Je suis assiégé ici, ce qui me fait bien, bien chier. Là, j'ai du monde qu'on va envoyer là. Parce que là, ils ont bien résisté quand même, les bougres. Hein. Et voilà, toi. J'ai recruté là ou pas? Non. Là j'ai recruté. Ouais, bon. Niveau construction. On va faire ça quand même, pour être tranquille. Est-ce qu'ils se ramènent à m'assiéger? On va faire des étables là aussi pour pouvoir recruter. Librairie ici. Et ça, tiens, pendant qu'on y est. Une chambre. La chambre du conseil. Aussi un petit marché. Je me suis pas pris assez vite dès le début pour aussi prendre Karandros. Du coup là je vais me faire asmater la gueule. Voilà, on a fait le tour. Bon, ça va chier pour nous là dans les prochains tours, je le sens. Faut que je mette le chrono. Quoi, mais combien ils sont? Bah attends, ils étaient pas. Ah ouais, mais c'est les deux armées qui sont rassemblées. Oh putain, ils font chier ceux-là. Ah non, mais là, je vais me faire poutrer. On va essayer de se défendre quand même. Parce que. Je pense pas qu'on va gagner, mais au moins s'en débarrasser de. Se débarrasser de la plus grosse partie de l'armée ennemie parce que. Pour envoyer des troupes assez vite, reprendre la cité. Qu'il faut qu'ils soient le moins nombreux possible, sinon. Ah ouais. Si je perds ça me ferait bien chier, j'ai même pas d'archer. Bon bah oui, on a pas trop le choix. Hein. On se met juste. Et oh. On se met juste là derrière et dès qu'ils rentrent, hop, on les charge. Pareil pour eux. Un peu plus loin, voilà. On n'a même pas d'archers ici. On a juste des petites milices là. Puis deux petites tourelles qui tirent des petites flèches là. Voilà, donc une armée du Harad, les Haradrim. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore de Mumakil, hein, les gros éléphants là. Ils les ont vers la fin de la campagne en général. Donc on est tranquille de ce côté-ci. Ils ont vraiment de la petite infanterie de merde au début, hein, mais nous, elle est un peu mieux. On le voit à l'équipement, hein.
Mais ils sont quand même beaucoup plus nombreux et ils ont des archers. Et bon, moi j'ai. Ouais, on va me dire, ouais, j'ai une petite cavalerie de. Là, j'ai des bons petits cavaliers, mais ils ont des lanciers juste en face. Donc bon, ça aide pas. Donc voilà. Bah, ils ont que des lanciers en fait. La cavalerie va pas forcément. Va pas être très utile, je crois. Par contre, les archers. Non mais attends, y a les tours là qui tirent, mais elles tuent personne quoi. Elles savent même pas tirer dans le tas quoi. C'est de la merde ces petites tours du début. Hop là, ils défoncent la porte. On va vite les prendre eux. Oh là là, les bougres. Ouais, ils ont déjà fait un bon petit trou dans la porte. Ça va être à nous. Hop là. Bon bah, maintenant c'est juste une question de temps. S'ils veulent bien charger à l'intérieur. Allez, on charge. C'est quoi ça? J'ai déjà perdu tout ça? Ah, c'est un putain d'archer. Oh, regardez-moi. Oh, cavalier. Mais j'ai pas de lancier. Du coup. Ouais. Wouah! Comme il s'engouffre. Putain, j'ai perdu déjà trop de monde. Allez, on va faire une petite charge désespérée contre les lanciers, donc ce qui sert à rien. Avec ma cavalerie là. On dirait qu'ils chargent un par un quoi, ils chargent même pas tous ensemble. Et puis paye ta charge quoi, ils vont à deux à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il y a les méga juste en face, faut pas les piétiner non plus, mais où ils en sont là. C'est tout comme. Bon allez quoi, faut en massacrer un peu. Oh là là. Ça se tape dessus. Accélère un peu. Ah, puis ils ont des bonnes cavaleries aussi. Bon. Les Ardrim. Bon après, ils ont peut-être deux troupes d'archers là-dedans, donc ça c'est facile à massacrer. Il suffit de voir quoi, on a perdu la moitié de nos gars déjà, puis eux seulement 23%. Voilà, on va pas se réjouir. Oh là là. Et oui, on a perdu la moitié de nos gars. Bon, du moment qu'on peut pas se replier, nous. Disons que voilà, ils tiennent jusqu'à la fin nos soldats. Alors que l'ennemi, hop, dès que il commence à peiner un peu, il se replie. Donc des fois, on se retrouve avec des batailles où on est vraiment inférieur en nombre. Voilà, c'est pareil, ça ressemble à ça. Sauf que d'un coup, on se met à gagner, on sait pas pourquoi. Bon, je pense pas que ça va arriver là. Là, c'est vraiment foutu pour nous. C'est bien qu'on massacre au moins la moitié des ennemis, quoi. Et ça y est, mes cavaliers là, ils sont. En train de sur les lanciers. Voilà, c'est moche. Triste histoire. Cavaliers sont massacrés. Hop là, un de moins. Dans les lanciers en même temps. Ouais. Il me reste quand même mon général qui est. Ah, il est vraiment au milieu en plus. Il est là, mon général. Wow. Ils résistent bien. Ils ont du mal à le tuer. Mais bon, ça dure pas.
4 Gigus. Ouais, ils ont même pas perdu la moitié de leur gars, quoi. Bon bah, voilà. On va essayer de contre-attaquer au plus vite là parce que. Ouais, ça commence mal pour nous. On a pris Osgiliath Est qu'on a perdu quelques tours après. Et en plus, on a mis des pognons dans les constructions donc ça fait chier. Voilà, là je vais essayer d'abord prendre Kerandros avant de prendre Osgiliath Est. Parce que si. Du coup, je vais être obligé de démobiliser mes troupes qui sont à Osgiliath Ouest pour prendre Osgiliath Est. Et du coup, voilà, s'ils ramènent des troupes par Kerandros, ils vont pouvoir piquer Osgiliath Ouest. Donc, ça servira à rien. Oh putain. Bon. Oui, on va tous les prendre. Hein. Pour l'instant, on en a besoin. On est riches. On a pas mal de fric. Alors, tout ça, c'est de la merde. Au moins un recruté du monde. Ils se déplacent que dalle. Putain, ça fait chier. Je peux pas les prendre par derrière. Avec un petit renfort. Ouais, je crois qu'on va faire cette bataille. Je regarde où on en est là, les troupes qu'on peut rassembler. Vous venez là. Ici. Et ici. Là, on va les réentraîner. Oh putain, on peut même pas les réentraîner quoi. Pourtant, on a du fric, hein. Tant pis, ça attendra quoi, c'est juste une petite cité contrôlée par les rebelles. Les rebelles n'attaquent pas. On va surtout essayer de se défendre contre le Gondor pour l'instant. Eux, on va en avoir besoin là. Voilà, on rassemble quand même des bonnes troupes là. Quand on va leur fondre sur la gueule, ça sera différent. Là, j'ai petit bateau de merde. On va les envoyer là, voir ce qu'il y a. Il n'y a rien, bon, tant pis. Pour l'instant, c'est bien. Là, je peux recruter du monde. Juste un archer. Pour l'instant, on va laisser. Alors, la bataille. Bon, c'est parti. Au moins, on a déjà un général 2 étoiles, mais. Oui, il y a un moment où il faut bien aller se battre. Parce que j'aurais pu très bien envoyer mes petits renforts là. À Osgiliath pour contourner ensuite après les envoyer à Minas Tirith, mais ça laisse une grosse armée orque qui a passé les frontières et qui peut se balader dans le Gondor comme ils veulent. Donc si ça leur short, ils pourront prendre mes villes pas trop défendues, donc ça me ferait chier quand même. Alors que là, en plus on est sur une colline, c'est bien. Alors. J'ai qu'un archer! Oh merde! Bon, tant pis, on va faire avec. Hein, je crois que j'en avais plus. Oh. On va foutre ça comme ça. Pour l'instant, on se fait pas trop chier. Quand même un peu de cavalerie, ça peut être vachement utile dans les batailles en plaine là comme ça. Et eux, on va les cacher là-bas. Allez, commençons. Ouf! Du beau monde. Ah ouais, j'ai les renforts qui se ramènent, c'est vrai. Il faut vite qu'ils se dépêchent là de venir parce que. Il y a un paquet de gars devant nous. Là. Ils sont où? Ah, ils sont là. Vite. Allez, dépêchez-vous. Il
coup arrivé là. Il n'y a plus qu'une troupe. Donc voici les marins de Pélargir. Avec des petites ailes sur les casques. Ils ont l'air bien lents quand même. Bon, revenons-en à nos moutons. Et eux, ils savent tirer là ou pas? Bon, venez quand même derrière. En courant. Ils sont beaucoup les bougres. On va mettre nos cavaliers sur les flancs là-bas. Ah! Non. Juste eux. Oui, parce que j'ai mes petites troupes qui se ramènent là, qui arrivent. Encore un peu loin, mais ça fait chier ces arbres de merde quand même. Je vois pas grand chose. Voilà. Donc, on va voir la charge là. Hop là. Ça sonce dessus. Une belle charge quand même, c'est sympathique à voir. Allez, mais non, mais par contre, ils sont pas sérieux. Mais faut... Oh là là, mais. Je leur donne un ordre, mais il faut y aller en courant, quoi. Enfin, au galop. Putain, ils sont chiants pour ça. Et là, il y a quoi ici? Hop là, vous, déjà. Attaqué par le flanc. Ça, c'est des putains de lanciers, on va pas les attaquer. Et eux là. Ceux-là, on va les attaquer, c'est pas des lanciers. Allez. Une petite cavalerie. Si elle veut bien charger. Oui, elle veut bien. Voilà qui est fait. Vous attaquez là. Avant, quand on faisait double clic droit là sur des gugus, il chargeait automatiquement. Maintenant, non, je sais pas. Je me chie dessus. Ouais, tirez plutôt là. Donc, les gugus de Pélargir là, en fait, c'est des. C'est des. Merde, ils ont des javelots. Ah, mais c'est... ils courent pas, là. Ils sont lents en plus. Bon, ça va, ils vont arriver à temps, je pense. Si, comment ça se passe? Là, on tient à bon, hein. Je sais pas qui se fait le plus massacrer, si c'est méga ou les orques. Là, eux, ils se prennent des flèches, c'est très bien. Hop là, vous, vous chargez là. Pour aider ma cavalerie. Qui peine un peu. Voilà, comme ça après on se débarrasse des petites unités là, on les prend par derrière ceux-là, la façon de parler, on les attaque par derrière. Ça pourrait être sympa. Là on en est où? Ouais. Tirer là-dedans les archers. Et vous ici. Voilà, j'ai tous mes gugus qui se ramènent là. Voilà, on va gagner quand on voit la balance là. Et on va essayer de les massacrer tous pendant qu'on y est. Voilà, on les a débordés. Voilà. Ça se passe bien, ça se passe bien. Il commence à se replier, alors on le roule dessus, on en profite. Vous aussi, quitte à faire.
bien le rouler dessus. On va continuer la bataille pour bien, voilà, on va pour bien tous les massacrer hein, jusqu'au dernier. Comme ça, on est sûr, on est tranquille. Il n'y a pas d'autres gars, d'autres putains d'or qui viendront nous faire chier. Allez, on les charge. Elle est fort longue. Il y en a encore beaucoup à tuer là. Hop là. Oh là là. Ça c'est bon. Une bonne bataille du coup parce que grâce à nos renforts qui sont arrivés à la dernière minute, ça a flingué le moral des orques. Et là, bon, on peut le rouler dessus parfaitement quoi. Allez. J'aime bien ça. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Voilà. Jusqu'au dernier. Par contre, on n'a pas tué leur général. Ils sont trop loin là-bas. Et là, il y en a là-bas, vite. Un petit gorpif là qui se replie là. Allez, la cavalerie. Voilà, plus personne. Et il en reste là-bas. On peut pas y aller comme ça. Oh. Il y en a un qui part là. Dans la forêt. Ah oui, ici. Hop là. Tout le monde les charge. Voilà, c'était les derniers. Comme ça, on est tranquille. Voilà, on a massacré une bonne armée orque là. Voilà. Donc, on a déployé 1500 Gugus. On en a perdu pas loin de 400. Enfin, bon, 1600, 400. Et eux, ils ont perdu tout le monde. Il y en a qu'une trentaine qui ont survécu. Donc, j'appelle ça une bonne bataille, une belle victoire. Voilà, on a pris notre revanche un peu là. Ça fait du bien. Voilà. On s'en a débarrassé donc voilà, plus qu'à reprendre l'Inir. Ça va pas être trop compliqué, je suppose, vu les troupes qu'on rassemble vers le centre du Gondor. Là, on va pouvoir rassembler de nouveau notre petite armée à Minas Tirith et la réparer aussi parce qu'ils ont tous perdu pas mal d'hommes là, toutes les compagnies. Mais on va les exécuter, hein. Non, si on les rançonne, ça va faire encore des troupes qui viendront me faire chier. Allez! C'est des orques, on les exécute. Il mérite que ça. Lui, il a gagné des trucs là. Allez, tous là-dedans. Voilà, là on a notre armée. On va les réentraîner. On va recruter un archer, quitte à faire. Là, on va recruter un gars. On va réentraîner ceux-là. Voilà, là on s'occupe de tout ça. Hop là. On passe le tour et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo en tout cas. Ah, voilà, donc là on a très brièvement vu une armée orque qui va. Il y avait son chemin qui était tracé là qui passait par Carandros. Donc. Quoi déjà? Oh là là! Putain, mais ils me lâchent pas ceux-là! Les bougres. Je recrute, mais ils veulent rien savoir. Là, on peut pas recruter. Bon, on va laisser tout ça pour le prochain épisode. Donc voilà. Là, on a nos gars qui vont se rassembler, c'est très bien. Alors voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu.
Donc la prochaine vidéo arrivera très vite. Hein. Si ça vous chante, hein, mettez un like, commentez et partagez la vidéo. Ça me ferait plaisir pour faire connaître ma chaîne. Et donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut, salut!